Que Dieu vous bénisse de partout, que Dieu soit loué. Je sais que vous êtes le Seigneur, notre Dieu, continue à nous protéger, continue à nous garder et à nous bénir. Raison pour laquelle nous venons toujours écouter sa parole qui est la vie, sa parole qui donne la paix. Et la parole de Dieu nous éclaire. Et nous allons parler sur un thème très important, sur le thème probablement qu'on attend toujours, sur le pèlerinage. En parlant du pèlerinage, c'est-à-dire nous voyons les gens aller au pèlerinage. Voyons par exemple nos frères musulmans qui vont chaque année au pèlerinage à la Mecque. Nous voyons nos frères cumangustes et aussi parfois ils vont au pèlerinage en Kamba. Et dit-on aussi que d'autres frères chrétiens aussi, tels que nous sommes. La Bible parfois nous recommande d'aller aussi, même une fois par année, aller aussi faire un pèlerinage à Jérusalem. Et en voyant ces pèlerinages, nous constatons que le pèlerinage consiste donc à quitter l'endroit où on est pour aller, en fait, entrer dans la ville sainte, c'est-à-dire se rapprocher de la ville de Dieu. C'est ce que pour certains, tels que le frère que j'avais énuméré, musulman, pourrait la ville sainte, c'est-à-dire la terre sainte, c'est la Mecque, c'est-à-dire là où ils peuvent rencontrer Dieu. Pour la première fois où Dieu a parlé aux prophètes, à leurs prophètes, et c'était à la Mecque, comme ils considèrent comme un lieu sacré. À Jérusalem, pour les chrétiens, c'est-à-dire nous considérons comme Jérusalem étant la ville sacrée, le lieu sacré, c'est-à-dire quand on y va, c'est pour, en fait, aller rencontrer Dieu et se rapprocher de l'Éternel. Et pour nos frères kimbangustes, ils vont en Kamba justement, parce qu'ils appellent ça Jérusalem terrestre, comme un lieu sacré, un lieu saint, une ville sainte. Voilà pourquoi nous allons parler du pèlerinage. Mais nous parlerons du pèlerinage à la lumière de la parole spirituelle. Parce que si nous lisons dans la Bible, c'est-à-dire le verset Jean chapitre 4, au verset 24-25, n'est-ce pas? La Bible nous dit ceci. Par exemple, je commence au verset 22, Jean 4, 22. La femme samaritaine dit, Jésus répond à la femme samaritaine plutôt, il dit, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit, en vérité. » Et Jésus l'a enchéri, il dit, dans 21, il dit, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient et ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous devez adorer le Père. » Donc, vous voyez que, il dit que l'heure est déjà venue, où ce n'est plus ni à Jérusalem, ni peut-être en Kamba, ni à la Mecque, ni sur une telle montagne,
que nous allons adorer Dieu. Mais nous devons l'adorer en esprit, hein, en vérité. Ce que nous devons comprendre maintenant, cette adoration en esprit, c'est-à-dire ce pèlerinage en esprit. Quel est le lieu sacré, le lieu spirituel auquel je dois m'approcher? Parce que nous parlons du pèlerinage. Donc, le fait de quelqu'un de se déplacer, Abimi et Sikazali, et Azo Kende, Namboka Yanzam, c'est-à-dire les lieux de Dieu, la terre sainte. Parce que Mboka Yango, et Zamboka Nin, quel est ce lieu sacré en esprit? Et quel le pèlerinage, c'est-à-dire, l'olengeni n'a aussi la pèlerinage n'angaï n'a molimo. Parce que Tomoni Awa, Jésus dit, ce n'est ni à Jérusalem que nous devons aller faire le pèlerinage, c'est-à-dire ce pèlerinage, ni en Kamba, ni à la Mecque, mais nous devons le faire hein, en esprit. Donc, tout ça, le pèlerinage, il y a molimo, c'est-à-dire en esprit. Et Zandengeni. Gloire au Seigneur. C'est ce que nous devons comprendre. Ce que veut dire le pèlerinage. Pour que yo nangai, toba na usala pèlerinage wana. Parce que nous devons le faire. Nous devons faire le pèlerinage vers la ville de Dieu, vers la ville sainte, vers les lieux sacrés. Et c'est lui tokende. Mais le lengenini na molimo, parce que ngongango et seko est commis. L'heure est déjà là où nous devons tout faire hein, en esprit. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, Tozo Kenena, Genèse. Genèse 47, verset 8. Tobanina 8, jusqu'au verset 13, et l'obi boye. 7 plutôt, Tobani boye. Joseph, et Pharaon dit à Jacob, c'est-à-dire Genèse 47, 8. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre des jours, des années de ta vie. Écoutez bien la question de Pharaon auprès de Jacob. Il lui pose la question de savoir, Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre des jours, des années de ta vie? Donc c'est comme si il lui demandait son âge. Et Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont des 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Et n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. Amen. Donc, le roi Pharaon a posé Jacob question, Moutouna. Alors, il dit, mais, Mikolonayo, Mounkilonayo, Namokilio, et ça combien? Ozana Mikoloboni, Namokili. Ozana Bamboula, Boni, Namokili. Aje nawe zandengenin, Ozana Ajiboni. Ndengo komibo, Ozana Ajiboni. Mais regarde, Jacob a répondu, il avait 130 ans, n'est-ce pas? Il avait 130 ans, il y a les jours des années de mon pèlerinage. C'est-à-dire, pour avoir sa vie, il y a un pèlerinage. C'est-à-dire, bon, il y a un peu de temps, tout ça, pas pèlerin, c'est-à-dire, tu es pour un pèlerinage. C'est-à-dire, tu es dans mon kilia, tu es pour un token doap. C'est-à-dire, tu es pour ton tambo, la token doap, dans mon cas, il y a Zambi. Alors, tu es dans pèlerinage, tu es na sali 130 ans. Dans pèlerinage, tu es pour un coma et pas un Zambi. C'est-à-dire, tu es vivre dans mon kilia, tu es habité. C'est que, lorsque nous sommes sur la terre, nous vivons chaque année qui passe, c'est pour le nom anniversaire, on a fêté Mboula Sika. Il fallait au monde est-ce que aux autres tambola. Donc, biso vina biso autres ba que au vivre bien, au vivre longtemps, et zalinde ko tambola par rapport à nini aux autres kendoapi. Donc, c'est pour marcher et aller vers la ville de Dieu, vers le lieu saint, vers la terre sainte. Mais
Vous trouverez quelqu'un, à cause de 50 ans, à cause de 30 ans, mais en tout cas, il y a un peu de temps. En tout cas, il y a un peu de temps. Donc, nous avons compté que tu marches. Nous avons compté que aux autres tambours, quand nous avons compté que tu marches, mais marche, on est en dingue. Est-ce que marche, on est en dingue? On y va, on est en dingue. On est en dingue physiquement. Je ne crois pas. Tout le monde dit que Jésus a le biboy. Je suis le chemin, la vérité là et la vie. Ah, donc tout le monde dit que justement, il y a son dingue là. Et il dit que nulle personne ne va vers le Père, nul ne vient vers le Père sans passer par moi. Donc cela veut dire que ce qu'on appelle pèlerinage, il faut nano aux onze, oui banan onze là wana. Onze là wana les amis, balais tes amis ça, toutes tes amis n'étaient. Il n'y a que seul chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc Jésus n'est là oyo, justement yo que c'est lui au sala pèlerinage. C'est le chemin sur lequel tu dois marcher pour aller vers le lieu saint, vers la terre sainte, vers la terre promise. Vers Jérusalem, c'est-à-dire dans la présence en Zam, c'est-à-dire dans la volonté en Zam, c'est-à-dire dans la vie éternelle, c'est-à-dire dans le salut. Gloire au Seigneur. Donc, tout le monde a que, justement, pèlerinage, Johanna, et Sengelinde, tout ce soleil en Goma. Mais, au cours de ça, dans mon culio, au Fani, dans le bambou, les belles, mais bien sauté. Cela veut dire, au Tamboula, non, dans Zélaté. Donc, jusque-là, tu n'as effectué aucun déplacement. Mais, nous autres, on a eu un dé, c'est le bambou, les belles. Au Tamboul, Tamboul, Bambok, au Québec, France, au Québec, aux États-Unis, aux Zongi, Afrique, au Québec, partout, au Québec, Bambok, au Côte, Banini, pays Songolo, pays Nignon, Swana, mais ton esprit n'a jamais marché. Donc, pèlerinage, Johanna, tout le monde qui est sur le plan spirituel, donc ton esprit doit faire le pèlerinage. Il doit quitter le lieu où il était né pour aller vers le lieu de Dieu, vers la terre sainte de Dieu. Mais à condition, Zéla, on est Zakamoko. Et Zanzela, Yanani, Ababa, Zanzela, Batongi, Nabananite, et Zanzela, Vioté, Zanite, mais ce chemin-là, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ qui est le chemin du pèlerinage, le chemin qui nous amène vers le lieu saint, vers la terre sainte, vers Jérusalem, vers la terre promise, vers la présence de Dieu. Tandé, Basoloba, dans Jérémie 3, 17, bien-aimé, on nous dit ceci. À ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront là, à Jérusalem, au nom de l'Éternel. Et ne s'ouvrent plus les penchants de leur mauvais cœur. Gloire à Jésus. Donc, ah, bah, la question est que ceux qui sont commis à Jérusalem, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. Parce qu'il est impossible que tu commandes à Jérusalem et que tu es toujours soumis à tes penchants. Il y a un autre. Parce que quand tu arrives à Jérusalem, à ce moment-là, tu ne vas plus, n'est-ce pas? Tu ne vas plus suivre les penchants de ton cœur. Cela veut dire que ma pensée na yo, ma mauvaise, ma convoitise na yo, ma mauvaise pensée na yo. C'est-à-dire ma penchant na yo, bon moto na yo, au cours de la nango susuté. C'est-à-dire tu ne suivras plus les penchants de ton cœur. Autrement dit, cela veut dire que le vieil homme et pas naïe sanini et koufi. C'est-à-dire, oezalaka, la nature humaine et koufi. Ce qu'on commet dans le stade de Wana, c'est à ce moment-là que tu es arrivé. Donc, ce qui est dans nos comités, qu'on détruit, c'est-à-dire l'homme intérieur, l'homme extérieur, c'est-à-dire l'homme charnel en toi, oezalaka, ba penchant naïe, ba convoitise, n'est-ce pas, ba haine, ba jalousie, égoïsme et tout ça. Cela veut dire que jusque-là, il y a un pèlerinage. Donc jusque-là, tu n'as pas encore marché. Tu n'as pas encore arrivé au lieu des rendez-vous, c'est-à-dire Jérusalem, c'est-à-dire le lieu de Dieu, la terre sainte. Donc, si on commet un bon kawana, et tout le monde est là, on va faire. Si on a dit qu'il y a un seul pèlerinage dans Mec, un seul pèlerinage dans Jérusalem, un seul pèlerinage dans Kamba, le problème est ça, mais tu vas vérifier dans mon thème. Parce que ceux qui ont commis dans Jérusalem, ont commis dans Kamba, ont commis dans Mec, et nous avons penché à monter ma neige, c'est ça, Nini, et Sili. Mais nous avons une cause à Jérusalem, au Kenda, au Mec, au Kenda, 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 au. À ce temps-là, c'est-à-dire le temps quand tu vas arriver à Jérusalem, c'est-à-dire la ville sainte, la terre promise,
Soko tamboli, à ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Donc, lieu saint wana, Jérusalem wana, la terre sainte wana, appelé ango nengo lingi, obengango mec, obengango nkamba, obengango n'importe quelle ville, hein, le lieu de Dieu, la terre de Dieu, la cité de Dieu, c'est-à-dire ezalinde okomi libosi ya trône ensemble, c'est-à-dire okomi na kiti ya bokonzi ensemble. Tu t'es approché du trône de Dieu. Comme on demande dans la Bible, approchez-vous du trône de la grâce pour être secouru de vos besoins. Ce trône-là ne se trouve qu'à Jérusalem. Et quand tu arrives là-bas, bah penchant dans l'union, c'est aussi là. Et si les ponts n'ont parce que nakotambo la wana, ozotika moko moko. En marchant, l'ukuta est koyi. Otamboli 2 km, nani jalousie est koyi. Otamboli moi, au maxi 5 km, au sentir kotoyo, et dani oyo, hen est koyi. Otamboli 2 km, impudicité est koyi. Otamboli 1 km, moi quelques kilomètres, au sentir kotoyo nini, bazou wanyonso est koyi. Et les mauvaises pensées. L'égoïsme, le vol, tout. Tu es comme à Jérusalem, tu es comme à la ville sainte. Tu es penché dans l'union sur les cils. Autrement dit, tu es là, tu es là, tu es formalité, qu'on peut appeler aussi le tourisme. Donc, Dieu n'a rien gagné là-dedans. C'est seulement le pays que tu as visité qui gagne dans le cadre du tourisme. Il y a tourisme, il peut gagner pour se plisser miso. Mais Nzambe nakati kuna azatanda eloko moko teo na kinai Jérusalem na zongi nenge moko okay yo zongi ozaka nenge zawana mais po o sala o Nzambe azoluka l'air vient, il est déjà venu, n'est-ce pas? Ce n'est ni cette montagne ni là-bas, mais c'est un esprit que nous devons y aller, c'est un esprit que nous devons y parvenir kuna soko komi wana Nzambe ko gagner belé parce que onyo sezaki vieil homme ezaki mauvais cœur ezaki vieil cœur na yo motema na yo libango na nyonso elongwe. Tant que vous avez un cœur nouveau, un cœur nouveau. Parce que aussi là, c'est ce qu'on a dit ici. À ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel. Et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. Donc, tant que vous avez un inévitable, vous avez un sakate. Vous avez un penchant à mauvais cœur, vous avez un cœur nouveau. Et si il n'a pas tambola, poko tambola wana, et si ça a mauvais cœur, et si ça a moté mama b, gloire au Seigneur. Voilà les pèlerinages. Yango na tuni Jacob albi, mais quelles sont les années, quelles sont les années de ta vie? Il faut tuni, pour faire un zat terrible, il faut tuni nan. Yo, yo, quelles sont les années de ta vie? Albi, ah, les années de mon pèlerinage. Et ça il y a 130 ans. Bon, naboy koko taba chiffre. Mais naïbi que l'académicien va comprendre, il y a bien, tant que l'on a 130 ans. Au moment que Jacob a 130 ans, donc si il venait à kilomètre, il y a un comme il se doit. Si c'est 130 ans, dans 130 ans, il y a un six pèlerinage. Donc voilà, six pèlerinages, dans 4 ans, vous allez Jésus, gloire au Seigneur, mais il y a un qui m'a bien ma casse. Oh, Yesu, le pèlerinage, donc le déplacement. C'est là que tout le monde dit que. Cette monnaie pèlerinage, donc, le point A, c'est-à-dire le point de départ, ils ont mauvais cœur. C'est-à-dire le point de départ, ils ont le coup la mutazo bimana, na itawana, il y a mauvais cœur, il y a penchant naïe. Et quand tu entames la marche avec le chemin qui est Jésus-Christ, et c'est pour se diriger vers la Jérusalem, vers le trône de Dieu, vers la présence de Dieu, vers la volonté de Dieu, vers le salut, vers la gloire de Dieu, vers la vie nouvelle, tant que vous comme aboyé, mauvais cœur est na sima. Engelo baki yo koti ozu kere asika kuna engelo baki otamboli. Gloire au Seigneur. Donc zande ko tambola, c'est-à-dire en esprit, zande ko tika mabe. Donc tu te diriges et derrière toi tu laisses les mauvais cœurs. Derrière toi tu laisses les penchants de ton cœur. Derrière toi tu laisses les péchés. Derrière toi tu laisses les makamunyon soana ki muyibi les vols les consorts, c'est derrière toi. Et si tu dis que tu as fait 50 ans, il faut te demander les 50 ans, qu'est-ce que j'ai laissé derrière moi? Et si qu'on a commis wapi? Est-ce qu'on a commis? Ce que moi, nous en avons quelques penchants. Tu as encore quelques soucis. Tu as quelques c'est-à-dire les quelques œuvres de la chair. C'est que, dis-toi encore, il te reste encore un long chemin à parcourir. C'est que, aussi, sinon, il y a un kilomètre, il y a un coma à Jérusalem. Distance wana, est spirituelle. Distance wana, est par rapport à ma benayo. Ce qui m'a benayo, le kebeli, dans Jérusalem, il y a un moulaï. Et comme il y a. Donc, ça dépend de toi. Gloire au Seigneur. Bon, bien aimé, nous allons finir par
ces versets, d'autant que un autre passage de la Bible, dans Hébreux chapitre 11, justement, autant le 8e verset jusqu'au 10e, et puis encore de 13 à 16. Hébreux 11, 8 à 9. On nous dit ceci. 8 à 10, on nous dit ceci. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Gloire au Seigneur. Vous voyez que Abraham aussi, il a commencé par partir. N'est-ce pas? Et c'était une vocation, c'était un appel. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. Ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Donc, on nous dit que Abraham, c'est-à-dire pour partir d'abord, pour entamer ce chemin-là du pèlerinage, pour s'engager, il faut d'abord la foi. Gloire au Seigneur. Il faut d'abord la foi. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, il fallait d'abord, par la parole de Dieu, par la parole de Christ que tu vas entendre, qui va te donner ce courage-là, de décider, en fait, d'entamer ce pèlerinage, de faire le pèlerinage vers la terre promise. Une terre que tu ne connais pas. Mais on y va par la foi. Donc, la parole vient. Je me dis, moi, je m'engage. Je m'engage et je vais y arriver. Il allait dans une terre qu'il ne connaissait pas. Une terre promise. Il est parti, c'est par la foi. Mais les lots sont que nous avons fait. Gloire au Seigneur. Ils ont fait. 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 Ok, Jérusalem. Ils ont fait. Ils ont fait. Ticket. Ok, ils ont fait. 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 Malgré foi. Mais bon, ils ont été à pèlerinage. Malgré foi, bon, ils ont été à Jérusalem. Bon, il va crier sur la foi à Gosakanate. Mais il va arrêter. Pour la nini, bon, billet, séjour, hôtel, nina nini, ils ont été à pèlerinage. Mais oh, il y a bien sûr, il y a un peu que Dieu te bénisse. C'est un pèlerinage qui s'obtient par la foi. Ils ont été à billet. Ils ont été à visite. Et ça, ma vie, ma séjour, ma nini, ma séjour, ma nini, ma séjour, ma nini, ma séjour, ma nini, ma séjour, ma et tu vas y aller. Et au coma. Gloire au Seigneur. Balbina verset. Il y en a qui 13 maintenant. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vues et saluaient de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui partent et ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voyez, Abraham aussi, on dit qu'ils sont passés, ils étaient en pèlerinage sur la terre. Quelle terre? Bien-aimé, Masumo Tosanangoyo, ils ont des Masoum est en bon anabisote, qui mouille en bon anayote, qui matongue en bon anayote, jalousie en bon anayote, égoïsme en bon anayote, et zande, yaka tambola, sur la terre, tambolande. Cela veut dire, yak aux ampele, aux voyageurs. De l'albaga, tout ça va pas en mokil, mokil wap. Tout ça va voyager en mokil. Tout le baka en mokil, tout ça va voyager, mais tout ça va battre mokil wap. C'est-à-dire, mambe, il faut pas être à la libella. Tout le monde, il passe. Moutazaki mouille à tika.
Azali lukuta au sanganate. Mute koba au sanganate. Mo langwa, c'est-à-dire un ivrogne, souka. Un margoulin escroc, mais les lois tika. Po atambola ki na mabelwana. Atambola ki na mokilwana. Mais il s'est dirigé où? Vers la terre promise, vers, n'est-ce pas, le trône de Dieu, vers Jérusalem, vers la cité céleste. Et on dit que Dieu leur a préparé une cité, une meilleure, qui n'est pas construite par des hommes, dont seul Dieu est l'architecte. C'est lui seul qui connaît comment il a mis les fondements. C'est lui seul qui a posé les fondements de cette cité-là. Mais moi, quand ça va cause ok, dans mon cas, et ça, Jérusalem, au Tézambo, quand ça, mais t'es à Batunango, ça, chef d'Ango, après ministre, président, et ça, gouvernement d'Ango. Mais oui, en Zambé, Zambé, moi, Tongi, à tes fondements, ma colonne, ma communion, cité naïe, Dieu est esprit, à Zamolim, à Tongi Mokanin, Yamolim. Donc, il a fondé une cité céleste. Et c'est pour cela qu'on dit qu'Abraham, c'est par la foi, à s'engager à Kiwana. Et il a voulu que sur la terre, la compagne, qu'il y a voyagé. Cela veut dire, il faut attendre là, à Tika. Ma mokiluana akene na mboka na biso mboka ya solo otika ba mabe na ona sima et pourquoi otika mabe wana il faut s'engager dans le chemin du Seigneur, le chemin de la justice, le chemin de la paix, le chemin de la vérité, le chemin de la vie yango komi mayo vers le Seigneur et komi mayo vers la cité de Dieu, vers Jérusalem, vers la gloire de Dieu, vers le trône de Dieu. Voilà le pèlerinage bien-aimé. Ce que nous parlons du pèlerinage, ce que nous avions parlé concernant les pèlerinages, où ils allaient pèlerinage à mobilité, ils appelaient les gens dès que bateau sale langoté et comme le col à mouvement, moko le col à pique-nique, le col à l'école et le comment boyer, bah balade du moko boyer et on organise chaque année les bateaux kende tout ça et ils rentrent, ils partent, ils rentrent comme ils étaient partis et là on m'a changé ça t'es, sauf mais au mesuré de cœur na bango, kaka ouais kenda kenango deux azongi nango, alors que c'est le contraire de ce que dit la Bible. La Bible nous parle que quand on y arrive, on n'a plus les penchants de son cœur, de son mauvais cœur. Voilà les vrais pèlerinages que nous devons effectuer en esprit, que nous devons effectuer à l'intérieur de nous-mêmes, que nous devons procéder en nous-mêmes pour tout ça, le pèlerinage à solo. Oyo, yabana ya nzambe. Oyo nzambe, asanini. Oyo, azo luka. Oyo nzambe, azo senga. Gloire au Jésus. Gloire au Seigneur. Et nous terminons par le Proverbe 15-24. Proverbe 15-24 et Zolobani. Gloire à Jésus. Proverbe 15-24. Voilà. Proverbe 15-24 dit ceci. Pour les sages, les sentiers de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Je répète encore, pour les sages, ceux qui ont nos sagetés, ceux qui ont des pèlerinages, ok, Josaim Kamba, ok, mec, t'as la ganze lango, ceux qui ont des ganze les a pla, yangote, ceux qui ont des ganze les a ils ont quitté, c'est que yango pété. Pour zela wana oya vie. Pour les sages, n'est-ce pas? Les chemins, les sentiers ou les chemins de la vie mènent en haut. Matangande likolo. Et enfin qu'ils se détournent du séjour des morts qui est en bas. C'est-à-dire, ceux qui ont maté likolo, c'est là où on a des pèlerinages, où ils ont des pèlerinages, où Abraham a tambolaki. Oh Jacob a dit que les années de mon pèlerinage, ils ont des 130 ans. Ils ont des langues, ils ont des komata. Pourtant, aux omata, tu es tenté de te détourner du séjour des morts qui est en bas. C'est-à-dire, pèlerinage aux qui est en bas, c'est-à-dire dans lieu où on a séjour des morts, aux qui est vers le séjour de la vie. C'est-à-dire vers la vie. C'est-à-dire, tant aux tambolana, tu es tenté de te détourner du mal, te détourner de mauvais cœurs, te détourner de mauvais penchants. Mais, tu as besoin de matière avion. Depuis que vous êtes en plein vol, vous sentirez ta, que vous êtes détourné. Vous avez un mauvais penchant ou un mauvais cœur, non? Vous avez un mauvais cœur. Alors que ce chemin l'amène en haut. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler du vrai pèlerinage. Le vrai pèlerinage de Dieu. Et c'est ce qui est en Jérusalem.
C'est-à-dire que Jérusalem moi ne zaka likolo. Jérusalem moi ne zaka likolo. Si vous vous rappelez par exemple du parabole de les paraboles des Samaritains. Balbi un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Vous voyez que cet homme là descendait de Jérusalem à Jéricho. Donc quand tu quittes Jérusalem, place nous sur Okende, à toi le Jérusalem aux États-Unis. Jérusalem, ok, na Kinshasa. Jérusalem, ok, na Abidjan. Jérusalem, ok, en Afrique du Sud. Yeba ki oko kitakaka. Jérusalem spirituel. Un homme descendait de Jérusalem. Pour dire quoi? Jérusalem toujours hein? En haut, à hauteur. C'est ainsi que partout on sera, pour y s'y diriger, vous serez obligé de monter. Et quand vous montez, c'est dire que vous abandonnez le mal, vous abandonnez le séjour des morts, le lieu où se trouve la mort, c'est-à-dire le péché, pour se diriger vers le lieu où se trouve la vie, où se trouve la grâce, où se trouve, n'est-ce pas, tes promesses et tes bénédictions et ton rendez-vous avec Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Voilà. Et c'est pour cela, tu verras que dans Galates, on nous dit que on nous dit Galates, n'est-ce pas? Galates chapitre 4, verset 23 à 26, dit ceci. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Donc, bien-aimés, nous voyons que tout ça dans Jérusalem, il y a l'Ikolo. Alléluia. La Jérusalem d'en haut, c'est notre mère. Donc, bisoto qu'on appelle le nage, dans Jérusalem, il y a un bâté. Oui, il y a un bâté. Il y a un lieu charnel, comme un mec, au Kamba. Je ne sais quel lieu de rendez-vous. Mais on nous dit la Jérusalem où nous dirigeons, où nous allons, elle est en haut. Elle est céleste, elle est spirituelle. La cité dont Dieu seul est l'architecte. Et quand on y arrive, on n'a plus les penchants de son mauvais cœur. On n'a plus, n'est-ce pas, on a quitté définitivement le séjour des morts. Et on entre dans la vie du Seigneur, dans la vie des enfants de Dieu. Voilà pourquoi on parlait de pèlerinage, du pèlerinage, que nous, tous, nous devons chercher à effectuer. Nous devons chercher à effectuer ces pèlerinages-là, au moins une fois dans notre vie. Dans notre vie, n'est-ce pas? Et je ne sais pas si quand on y arrive, il faut encore quitter cette Jérusalem-là. Je ne sais pas s'il faut encore chercher encore à quitter ou retourner. Mais parce que je vois dans le monde, les gens ils vont et puis ils retournent encore. Ils attendent encore l'autre année pour y partir, pour encore voyager. Mais ici, je ne sais pas si quand vous y arrivez, il faut encore retourner. Parce que lui-même Jésus-Christ, il a dit, je me rappelle de son passage, n'est-ce pas? Il a dit, n'est-ce pas? Dans Actes, je pense, où il avait recommandé à ses disciples, il dit, n'est-ce pas? Comme Actes chapitre 1, verset 4, comme il s'est trouvé avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Donc, il ne faut pas s'éloigner, il faut rester. Et si vous n'y êtes pas, cherchez à y entrer. Que Dieu vous bénisse donc. Marchons dans les chemins du pèlerinage, le chemin du Seigneur, qui est Jésus-Christ, notre chemin, pour ainsi donc entamer, commencer cette marche-là. Et faisons notre pèlerinage pour aller vers la ville sainte de Dieu, la Jérusalem d'en haut, le trône de l'Éternel, le salut des enfants de Dieu, la grâce des enfants de Dieu, la cité céleste, la ville construite par Dieu, celle qui est l'architecte et le fondement. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, amen.